Attendez. C'est bon. Normalement, c'est bon. Là, ça enregistre. C'est bon. Nickel. Donc, orienté vers... Alors, orienté sur la diaspora libanaise en France et en particulier la diaspora maronite. Et j'avoue qu'on a déjà relevé des tendances par rapport à une élite chrétienne maronite, parce que les chrétiens maronites en France n'occupent pas n'importe quelle place dans la société. Ce sont souvent des gens de l'élite, généralement tournés vers la politique. Et surtout, on a remarqué aussi qu'au niveau des catégories socio-professionnelles, c'est des gens qui sont assez aisés et qui sont toujours ou cadres, ou dans le commerce, ou dans les finances. Voilà. Et donc, du coup, je voudrais avoir votre avis à vous là-dessus. Peut-être parce que, du coup, voilà, comme vous êtes en même temps responsable de ça en France, je voulais savoir par rapport à ça. Notre relation comme communauté maronite, ça date à la croisade, je pense. Ben, ça a bougé entre la France et l'Italie en fonction des situations de chaque pays. Quand l'Italie était puissante, elle nous soutenait. Ben, vous savez, avant, c'était les guerres. Il y avait une grande partie des alliances religieuses. Donc, c'était chrétien musulman avant chrétien juif avant je sais pas juif musulman, donc ça tournait. Et comme les maronites libanais sont des combattants, on était toujours les alliés de pays qui cherchait à garder un pied dans le Moyen-Orient. Ou c'est le vrai nom, c'est le Proche-Orient, pas Moyen-Orient. C'était par vous savez ça, Oui, d'accord. oui, Oui. Et d'habitude, de notre communauté en général, il y a toujours des exceptions. Les gens qui partent à l'étranger ou qui cherchent à être parmi les élites ou les ouvriers, qui sont très rares à partir vers l'Europe. Ils partent vers l'Afrique ou le pays du Golfe. Bon, ça c'est récent, le pays du Golfe, après la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique, il y en a après la Première Guerre mondiale, mais avec l'Europe, la France et l'Italie, ça va faire à peu près 1000 ans, 10 siècles. C'est vrai, il y a très peu de personnes, enfin des chrétiens libanais qui sont dans la catégorie moyenne en France, surtout qui sont mis partis la première génération. Et on va dire à 60-70% de la deuxième génération qui sont nés là-bas. On aime toujours aller plus haut dans l'éducation, l'enseignement et dans la société. On aime bien enfin, vivre bien à certains niveaux qui nous plaît à nous pas. C'est pas la norme de la France ni ailleurs. Donc, si vous avez regardé un peu de vidéos, je t'ai envoyé la vidéo, enfin le lien où il y a les vidéos militaires. Donc, ça, les soirées pour les vétérans qu'on fait toujours, hein, là, c'est récent. Si c'est inférieur à ça, les gens, ils ne viennent pas. Enfin, les participants, ils n'aiment pas venir parce que tu dis, je fais l'apéro chez moi, par exemple. Voilà. On aime acheter, enfin, on a l'image des États-Unis et qu'on essaie de la vivre n'importe où on est. Enfin, on a les familles qui restent derrière leurs enfants pour avoir plus de diplômes. Donc, on ne laisse pas, bah, il fait ce qu'il veut, c'est pas grave, à la fin, il peut être un salarié à la mairie. Bon, peut-être qu'il ne veut pas arriver l'enfant, mais on travaille, on le force à avaler les diplômes, si vous voulez. Quand il y a enfin, ça a commencé avec moi. J'étais surpris au début dans la boîte où j'étais dans Delphi PES, Packard Electric System. Mes ex-collègues français, ils voulaient pas partir en Allemagne en déplacement. Moi, j'étais surpris. Pour nous, même les Libanais qui sont ici, n'importe où il y a un déplacement, les pays du Golfe, l'Extrême-Orient, l'Afrique, bien sûr l'Europe, personne ne dit non. Si c'était 2 3 jours ou pour enfin, une petite période, 1 mois ou 2 mois. Donc, on part pour. On découvre toujours quelque chose quand on voyage, enfin, pas le voyage même, c'est parce qu'on est sur un site différent, avec une autre mentalité, avec un autre type de travail.
Donc, on fait des heures sup quand il y en a à faire. Quand il y a un conflit, on perd pas le temps, on dit pas c'est fini là, je dois rentrer. On aime bien être les meilleurs, parmi les meilleurs, on va dire. On n'est jamais, mais parmi les meilleurs. On fait pour être ça. Il y a toujours des exceptions. J'ai rencontré quelques-uns que je dis, ta mère a triché, tu n'es pas un Libanais. Voilà. Pendant le 25 ans de mon séjour en France, j'ai entendu trois conflits avec des Libanais, mais c'était avec des millions et des centaines de millions. C'est pas les petits voyous qui trichent pour 1 000 ou 2 000 euros. Voilà. Il y avait un, enfin, c'était trois, je pense, à la bourse, c'était 2006-2008, d'autres avec des tableaux falsifiés, des centaines de millions. Et un autre dans un conflit politique, je ne me souviens pas lequel, c'était dans un 90. On est souvent trilingue. On n'a pas de problème à apprendre les autres langues. Je pense qu'on a parlé un peu la dernière fois de ça, non? Oui. C'est ça, oui. Donc c'est ça qui facilite qu'on passe facilement à un niveau supérieur. Pour le même niveau, hein, français et libanais, par exemple, mon fils. Chez Total, il était consultant chez Total. Ils l'ont mis, au bout de 3 mois, ils l'ont mis IT manager pour le service en Inde et Malaisie, qui était externalisé là-bas parce qu'il parle bien le français, l'anglais. Ses homologues, ils n'avaient pas envie de faire l'effort. Mais Quand on votre est fils, chez soi aussi, on veut être tranquille aussi. Hein. oui, Qui a fait votre fils. qu'après ça a monté. Donc, une fois que tu passes deux, trois niveaux, après, C'est ça. tu. Voilà. Et votre fils, il a fait ses études en France? Pardon? Votre fils, il a fait ses études en France? Oui, ses études primaires, c'était au Liban. Je l'ai amené en 90. Il était. C'est quoi? C'était au 8e. Il avait encore un an pour finir le primaire. Après, oui, collège et lycée, la suite, c'était en France. Si vous ne connaissez pas son nom, tu ne savais pas que c'est un Libanais. J'ai vécu en France avec les Français. Je ne suis pas resté avec la communauté libanaise pour mes enfants, ce n'est pas pour moi, pour qu'ils entrent bien dans la société et la culture française. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est grave, c'est vague. Quand il y a une blague, le temps de traduire la blague et voir si ça fait rigoler ou pas, après ça n'a plus de sens. Ou quand il faut parler, raconter une blague, interpréter, parler aussi n'a pas de sens. Mais quand on est dans la société, on parle et on réfléchit de la même façon. Donc, à part son nom Ekal, il s'appelle Joe Ekal, à part le nom de famille, on ne sait pas qu'il vient de l'étranger. On dit que c'est quelqu'un du sud de la France. La petite aussi, ma fille, enfin la petite, elle va avoir bientôt 38 ans. Elle est française et elle cause, elle râle, elle est plus française que le fils parce qu'elle est partie là-bas, elle était un an et demi dans les hôpitaux avec tout le temps de français. Voilà, moi j'ai gardé mon accent, j'ai pas voulu faire plus. J'ai voulu rester un Libanais en France, enfin. Même je parle, là maintenant j'ai perdu quelques idées parce que ça fait quelques années ici. On a eu des choses au Liban comme ça avec les Arméniens, avec les autres communautés, où leurs petits-enfants, enfin, qui ont mon âge, quand ils parlent, on ne sait pas qu'ils viennent d'origine étrangère. Et quand on parlait politique et critiquait telle communauté, c'était eux, ils faisaient partie. Donc ça m'a dérangé. Après, je ne parlais plus avant de savoir avec qui on est. Je n'ai pas voulu que ça arrive avec les Français. Parce que si je retire le R, comment rouler le R, après, c'est français, avec le R. Et quand ils ont envie de parler, critiquer les autres communautés, après découvrir qu'il y a quelqu'un, parce que je ne suis pas très typé oriental, donc je passais italien ou sudiste. Donc j'ai continué à rouler le R et on parlait, critiquer les communautés. Ça ne me dérange pas moi, mais je n'ai pas voulu qu'ils soient vexés, ce que j'ai vécu ici.
Et quand on a eu l'entretien pour la nationalité française, et le monsieur m'a demandé si je voulais changer mon nom et prénom, je dis non, je préfère rester un Libanais en France. Il était surpris. Je lui ai expliqué la même chose pour que je reste un Libanais en France. Je suis aussi français que Libanais, surtout ma fille a été sauvée dans les hôpitaux en France, donc. Est-ce que vous pensez que votre fils et votre fille, ils sont pas des Libanais en France, mais ils sont plus français? Et quand ils vont au Liban, par exemple, ils sont des Français au Liban, presque, non? Et ils sont français en France et français au Liban. Quand mon fils, il sait parler libanais, pas arabe. Libanais, c'est pas la même chose. Oui. Il traduit du français vers le libanais. Donc, il sait parler quand il était ici gamin, mais après, à la maison, on parlait français tout le temps. On était entouré par des Français, des amis français. On avait des amis libanais, mais on se voyait pour Noël ou Pâques, des événements, grands événements. Ma fille, elle parle quelques mots comme ça, pas très bien. Non, elle est française. Mes enfants, ils sont, le fils, on va dire, à 90% français. À part quelques blagues, quand on se chamaille un peu, bon, c'est en libanais, ça un autre poids. La petite, elle sait insulter, dire de gros mots en libanais. C'est tout. Après, en français, elle est japonais, elle est à Tokyo. Elle est mariée d'un japonais. Et ça, est-ce que vous constatez que vous êtes Libanais en France et eux, par exemple, ils sont Français au Liban, je schématise. Est-ce que vous le constatez chez d'autres personnes, de vos amis qui ont des enfants aussi, des chrétiens maronites, par exemple, dans votre communauté? Vous voulez dire qu'ils ont fait les mêmes démarches que moi? La même démarche que vous, est-ce que c'est une histoire de génération? C'est votre génération qui est toujours Libanais en France et la génération de vos enfants et des enfants de vos amis, c'est le contraire? Ben, pas plus que 30%. Les autres, ils restent plutôt Libanais en France, à 70%. Après, il faut attendre la deuxième génération qui vont devenir français en France. C'est ça qui m'a fait éloigner de la communauté libanaise, éloigner pas un conflit, mais j'ai pas voulu que mes enfants restent parmi les enfants des Libanais. Parce qu'ils vont parler libanais, ils vont avoir les blagues libanais, enfin, tout libanais. Et j'ai voulu vivre en France, moi. J'ai pas voulu que mes enfants soient identifiés dans les écoles ou enfin, le travail. C'est pas par peur de quelque chose, mais non, mais on est là-bas et on veut rester là-bas. Donc, il faut vivre avec le pays. Ils connaissent bien le Liban, la cuisine, la culture. La fille, moi, parce qu'elle a vécu 14 ans dans les hôpitaux jusqu'à qu'elle est sortie. Mais le fils, oui, il sait plus, il connaît plus pendant la guerre, après les histoires, quand il y avait des amis qui venaient. Qui ont fait la guerre ici, on parlait ça. Si on avait des Français parmi nous, on parle en français. Si on est entre nous, c'est en libanais. Donc, il comprend plus qu'il peut parler. Oui, pas plus que 30% qui ont fait les mêmes démarches. Il y en a qui revenaient, je ne sais pas maintenant, tous les ans au Liban. Que nous, ma famille, Yanné, on a fait 5 fois pour 23 ans, on va dire. D'accord. On était une seule fois tous ensemble, après ma femme et ma fille, ou après mon fils, ou moi, Yannick, comme ça, aléatoire. On passait nos vacances souvent dans le sud de la France. D'accord. Et est-ce que vous pensez que peut-être aussi, je me demande, hein, si votre... Je sais pas. Le fait que vous soyez venu en France et que ça a été peut-être plus facile pour les chrétiens maronites d'accéder à des postes plus élevés, d'être plus aisés financièrement, est-ce que ça vient aussi peut-être de la religion? Parce qu'on a une histoire importante, les chrétiens de France et les chrétiens maronites. Vous êtes quand même très proche depuis, je dis vous, mais vos ancêtres chrétiens maronites, de la culture française. Par exemple, j'ai vu un truc par rapport aux missions catholiques.
les missions catholiques que la France envoyait dans le Mont Liban, qui vous ont rapproché de la culture française et de la langue française d'ailleurs. La religion, non, parce qu'on n'est pas trop attaché. On sait, la France est un pays laïque et au début, les deux, trois premières années, quand on parlait chrétiens et musulmans, ils étaient surpris, les amis qu'on a commencé avec eux tout au début. Comment on parle comme ça? Après, j'ai compris que pour le français, monsieur tout le monde, il n'y a plus d'histoire catholique ou musulman ou orthodoxe ou protestante ou autre, ou juif. C'est la culture, on ne déteste pas la France. La différence entre les Maronites et les autres communautés de la Méditerranée, qu'on ne considère pas la France ennemie, comme quand on est en Italie, comme quand on est aux États-Unis, comme celui qui travaille dans le pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes. Ils sont, avant ces deux dernières années, avant, enfin, ils demandaient quelqu'un pour qu'il soit, par exemple, directeur de service dans une boîte chrétienne. Parce qu'ils ne cherchent pas à leur expliquer si c'est interdit, halal ou pas, s'il ne faut pas boire l'alcool. Donc, on n'entre pas dans la vie personnelle des autres. Donc, on vit là, ils savent dans le Golfe qu'on est là pour faire de l'argent, on s'en fout ce qu'il fait. Et en France, on est pour vivre. C'est parce que ça a été, à un moment, chacun avec le conflit qu'il a vécu, il ne pouvait plus continuer ici, il est parti là-bas. Pardon. Non, c'était. Enfin, si vous voulez, on a étudié l'histoire de la France et la géographie française à l'école. Donc, on n'a jamais senti étranger en France, à part celui qui a eu, au début de sa carrière, trop de difficultés. Après, il va détester les situations. Mais une fois ça s'arrange, après, normal. Et ce que j'entendais des communautés, surtout algériennes, des enfants, de leurs enfants, il y en a. Au début, avant d'acheter une voiture, à l'arrêt de bus, il y a un qui balance quelque chose par terre, l'autre dit, mais il y a une poubelle. Il disait, c'est pas mon bled, c'est pas mon pays. On n'a pas cette réaction, tu vois. D'accord. On vient pour travailler. C'est rare que je rencontre un Libanais qui dit, moi, je suis parti à 5 heures, par exemple, parce que c'est les horaires. Il y a du travail, bien sûr, quand tu sais payer, parce que c'est interdit de faire du bénévolat. Voilà. Parce que j'ai parlé, je voulais savoir, est-ce que, par exemple, vous dites que voilà, vous évitiez que vos enfants soient trop avec des Libanais pour qu'ils deviennent plus français. Est-ce que, par contre, quand vous étiez avec des Libanais, parce que quand même, vous étiez... est-ce qu'en France, vous étiez en lien dans votre communauté avec d'autres chrétiens libanais? Parce que j'ai interviewé un monsieur qui est chrétien latin, mais bon, du coup, qui est libanais, qui travaille à l'ambassade, et sa femme, elle est druze. Et il m'a expliqué que les communautés en France, donc de la diaspora libanaise, elles ne se mélangent pas entre eux. Il m'a dit, les chrétiens maronites, même s'ils sont avec des Français, ils restent entre chrétiens maronites, les sunnites entre sunnites, les chiites, les druzes et tout ça. Et je voulais savoir, vous, comment est-ce que vous voyez ça? Il y avait un peu de tout, mais ce n'était pas nombreux. Il y avait une famille de sunnites, celles qui sont à droite, on va dire, avec le Liban, on va dire le Liban libre, ils venaient parmi nous. Celles qui étaient avec le pro-palestinien ou pro-syrien, ils ne se mélangent pas avec nous. On avait druze, je n'ai pas rencontré, mais des sunnites, oui, orthodoxes et autres, oui, il y en a. Celles qui étaient proches de Qatar, de forces libanaises, ils venaient, et les autres... c'est pas détesté, mais eux, ils venaient pas. C'était leur... quand on se rencontrait, ou on fait connaissance par quelqu'un d'autre, on l'invite. Donc, souvent, c'est lui qui ne fait pas partie de notre cercle politique, on va dire, et il s'excusait. D'accord. Ouais. Est-ce que géographiquement, par exemple, vous, vous habitiez à Paris, c'est ça? Non, à... Manilé, 78-114, proche de Versailles, Vallée-de-Chevreuse, oui. Voilà, 78, je me rappelle, dans 78. Par exemple, est-ce que vous étiez les seuls Libanais, pas de tout 78, mais du quartier, où est-ce que vous habitiez? Est-ce que quand même vous vous êtes mis à côté de certains Libanais, je ne sais pas, peut-être? Non, quand on est venu, quand je suis arrivé en France, c'est le professeur qui suivait ma fille à l'hôpital
que ses parents habitent à Manille, qui nous a trouvé un petit logement comme studio pour démarrer parce qu'on a passé un mois et demi à Villejuif où on payait par semaine dans le 500 euros à cette époque. C'était beaucoup pour nous, c'était pas beaucoup là-bas, meublé. Et après, on a présenté une demande à la mairie qui nous ont donné un appartement à l'HLM et après 14 ans, on a acheté une maison. Non, on n'a pas cherché. Après, on a découvert qu'ils sont venus après nous, les Libanais, mais on les a rencontrés dans les grandes surfaces. Pas connaissance directe, oui. Il y a un, c'était le fils avec mon fils au collège. Et l'autre, c'était à la caisse, c'était l'Intermarché à cette époque. D'accord, mais des chrétiens. Non, des chrétiens. Oui, c'était Maronite, oui. D'accord, parce que je me demandais, c'est vrai que quand même. Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous croyez que ça a à voir avec l'histoire de la France et du Liban, que les chrétiens maronites, ils sont aussi bien intégrés en France et peut-être un petit peu moins dans les finances, dans le commerce, tout ça, des sunnites et des chiites libanais? Parce que Oui, ça. y a une tendance importante quand même. Oui, il y a l'histoire de la religion. Que 18e et 19e siècle, c'était que les familles riches de musulmans et de russes qui venaient envoyer leurs enfants dans les écoles chrétiennes qui étaient faites par les missionnaires français et italiens. Après, qui sont devenus la classe politique musulmane qui présentait les musulmans dans la République libanaise. Ça restait, si vous voulez, comme la différence entre la société française et américaine. Donc, on ne s'aime pas. Les Français n'aiment pas trop les Américains. Oui, c'est C'est vrai. comme ça entre les musulmans libanais et les maronites. Surtout les maronites, pas les orthodoxes ou les autres. On n'a jamais senti pour nous l'Europe est un ennemi parce que quand on est dans nos rencontres normales, il y a des musulmans qui parlent. On dit l'Europe a toujours amené, depuis l'Empire romain, ils ont fait construire les routes, les ponts, les tunnels, les écoles. Il y avait l'université de droit à Beyrouth à l'époque des Romains, de l'Empire romain avant qu'ils soient chrétiens. Après, les Européens, ils ont amené toujours, font construire les écoles et les hôpitaux. Et après, récemment, les universités, 19e et 20e siècle. L'université américaine de Beyrouth et Saint-Joseph, bien sûr. Que de l'autre côté, rien qui ne venait. Ils sentaient jaloux à un moment, on parle au niveau de la société, c'est les Maronites qui ont tout le pouvoir. À la fin, non, quand on discutait, vous avez refusé de venir apprendre avec les étrangers, les Européens. Oui, mais ce sont des colonisateurs. On accepte que quelqu'un qui nous colonise et qui nous donne le savoir-faire, l'enseignement, les hôpitaux et tout. Ils ont mis jusqu'à les années 90, quand Rafiq El-Hariri, l'ex-premier ministre, qui est venu et qui était l'ami de Jacques Chirac, qui a envoyé entre 25 et 30 000 étudiants en bourse pour faire leurs études en France. Bon, lui, c'était pour remonter le niveau des sunnites et pour avoir plus une base politique. Lui, dans ses calculs, il a dit, si, il y aura la moitié qui reste avec moi. C'est déjà pas mal, leur influence dans la société. Et si 5 000, le minimum, aussi, ça vient. Ils s'en foutaient de l'argent. Et là, il a monté le niveau. Ils sont allés. On a rencontré des sunnites et des chiites qui ont eu leur bourse par Rafik El Hariri, qui étaient en France. Ils étaient intégrés, pas aussi que nous, mais ils parlaient français parisien, pas comme moi. Ils avaient un train de vie français. Ils sortaient, surtout les filles sortaient normal, sans complications. Et sans voir, sans rien. Si moi je ne connaissais pas le type, je ne savais pas que c'est musulman libanais, sunnite libanais. D'accord. Je voulais vous demander pour votre travail de relations publiques des forces libanaises. Est-ce que vous avez l'impression de représenter le Liban en France? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un devoir de représentation
c'est pas un devoir, mais oui, que vous êtes, si, vous êtes un peu un représentant du Liban quand même, et puis surtout d'une force politique du Liban quand même. Moi, ma tâche, c'est gérer les forces libanaises qui sont en France, pas avec la France. Il y a un autre service qui gère la politique avec la France et les Français. Notre tâche, c'est gérer, organiser, apprendre, enfin, gérer la gestion. C'est pas moi qui fais tout. On fait pas one man show. C'est fini depuis longtemps. Puisque j'ai vu là-bas, je peux mieux expliquer à nos partisans les choses à éviter, par exemple, qui ne sont pas appréciées par les Français. Ici, on veut dire on va se débarrasser de chiites, de Hezbollah, comme on disait avec les Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'était des étrangers, que les chiites sont des Libanais, on ne peut pas les exterminer. Donc il y a des termes comme ça. Donc là, c'est faire le point sur des sujets comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais les petits sujets, parfois ça sort quelqu'un qui est récent en France, en parlant, il dit bah, « on va se débarrasser ». Non, on ne peut pas se débarrasser, par exemple. Je cherche à présenter les forces libanaises, parce que c'est une façon de penser pour la gestion du Liban. On est toujours... parmi les chrétiens, on est la force la plus puissante, la plus grande force chrétienne, mais on n'est pas majoritaire dans la société chrétienne. Vous devriez avoir une idée comment toujours, quand il y a des prix à payer du sang et de l'argent et du temps, il n'y en a pas beaucoup qui font. Et comme c'est volontaire, même sous le danger, ils se cachent, il y a les forces libanaises qui vont faire l'affaire. C'est comme ça. Et une fois fini, c'est bon. Allez, à la prochaine. Je vois. Oui, bien, mais c'est dans tous les. Enfin, je pense pas ailleurs, ça doit être pareil. Oui. Non, je présente le Liban avec les Libanais en France, bien, pour donner l'image qu'on va à donner. Les sujets à parler, à discuter avec les autres. Mais de tous les Libanais, pas seulement des chrétiens maronites et des forces libanaises alors. Quand je suis là-bas, oui, bah, je fais le discours pour tout le monde. Non, je fais pas de différence. La dernière fois, vous avez commencé comme extrême droite pendant les 15 ans de guerre 75-90. Au début, il y avait des juifs à Beyrouth. Ils venaient dans notre région. Se cacher, pas côté palestinien. On a rien dans notre. Enfin, on pense pas qu'on est supérieur comme font les juifs. On est le peuple élu. Non, on n'est pas élu. On est comme tout le monde. Mais on fait l'effort. Et beaucoup de fois, on n'arrive pas. On est à l'échec. Que les partis politiques qui étaient pro-palestiniens, et dans leur doctrine et leur. Comment ça s'appelle, leur loi interne, ils sont racistes. Ils n'acceptent pas un chrétien en premier. Ils appellent les païens. Les sunnites ne prennent pas de chiites parmi eux, ni druzes. Les chiites ne prennent pas de sunnites. Enfin, chaque parti dépend d'une religion. Que nous, on avait, il n'y avait pas beaucoup, mais un peu, des musulmans et des druzes parmi nous. Et, on n'est pas raciste, c'est ce que j'avais dit. Donc, Et aujourd'hui, il y a plus de musulmans, de sunnites ou de chiites parmi vous, plus trop. Oui, ils ont senti la pression de Hezbollah. Et ils ont compris le projet des Palestiniens, parce qu'au début, il y avait l'extrême, les islamistes qui disaient on va chasser les maronites. Après, ils ont compris que non, c'était pour donner le pays aux Palestiniens. Donc, il y a plus de sunnites et de chiites, même des druzes. Qui sont proches aux forces libanaises. D'accord. D'accord, ok. Ben, et du coup, je vais savoir, est-ce que vous auriez peut-être des statistiques sur la diaspora libanaise en France? Pas toute la diaspora. Ou par exemple, à Paris, ça serait intéressant à Paris aussi, peut-être. Je ne me souviens plus, parce qu'on l'avait en 2018 pour les élections. Mais si vous les retrouvez, par exemple,
Ça m'intéresserait beaucoup de juste jeter un œil pour voir, pour pouvoir avoir des données. J'ai déjà demandé à l'ambassade et ils m'ont dit qu'ils me rappelaient lundi. J'ai envoyé une demande, il fallait faire un formulaire. J'ai fait tout le formulaire hier et elle m'a appelé la secrétaire. Elle m'a dit que lundi, ils me rappelaient pour me dire si c'était possible ou pas. Donc bon. Attends. Oui. Salut Pierre, كيفك؟ لك عندك فكرة قديش عنا بباريس أو بفرنسا فورس ليبانيز ببارتيزان؟ ميرسي. Pas plus que 3 000, je pense. Vous parlez à Paris. Partisans, force libanaise. Partisans, voilà, c'est ça. Ouais, pas plus. Dans toute la France. Dans toute la France. Oui. D'accord. Parce qu'il y a qui sont pro, qui votent avec nous, mais là, ils ne sont pas dans nos registres. D'accord. Yann, je peux. J'ai eu un chiffre, on a eu entre 25 et 27 000. Vote force libanaise en 2018 en Europe, les États-Unis et Canada. D'accord. Donc des gens qui votent à distance. Oui, Qui oui, votent oui. à l'ambassade. C'est ça, oui. Oui, qui votent là-bas sur place. Parce D'accord. qu'ils avaient des bureaux de vote séparés d'ici. Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai vu des. Moi, j'ai regardé un peu, j'ai fait des recherches. J'ai vu que, bon. Pendant longtemps, surtout après la guerre civile, les chrétiens maronites, c'était la diaspora la plus importante parmi les Libanais en France. Et que maintenant, de nos jours, il y a de plus en plus de sunnites et de chiites qui viennent. Et je ne sais pas si vous avez peut-être une explication. Si. Si vous avez peut-être une explication, vous savez pourquoi? Oui. Bah, ce sont les gens qui veulent plus vivre sous le régime islamiste. Parce que j'avais expliqué la dernière fois comment ils viennent passer leur soirée chez nous. Oui, je m'en rappelle, bien sûr. Voilà, donc ils peuvent pas, leurs filles, elles peuvent pas sortir et rentrer. Enfin, c'est pas, ils sont attrapés, mais ils sont agressés psychologiquement. Ah oui, qu'est-ce que tu fais là? Tu es pétasse, interdit de boire dans telle rue comme ça. Celles qui ont des moyens, ils vont là-bas, ils quittent le Liban. Et là, c'est une partie des sunnites que le Rafi El-Hariri les a donné des bourses pour faire leurs études. Ils sont partis avec leurs enfants, leur famille, et bien sûr leur entourage. Il y a plus de monde, ils peuvent nous dépasser parce que nous, on ne fait pas beaucoup des enfants depuis les années 70. Qu'eux, ils ont continué à faire plus, donc au niveau de démographie, ils nous dépassent. Le chiite, il y a moins en France, il y a plus en Afrique, comme diaspora libanais, chiite. Ouais. C'est parce qu'ils ne veulent plus vivre sous leur régime, c'est ça. C'est ça. Et je voulais vous demander, du coup, la dernière fois, je vous demandais, mais j'avais oublié, c'est accord de Taïef, ça veut dire quoi Taïef? C'est une ville en Arabie Saoudite où ils ont fait la réunion pour. Ils l'appellent avec le nom de la ville. D'accord. Parce que ma prof, elle m'avait demandé, enfin ma tutrice de mémoire, elle m'avait demandé de voir, en gros, l'hypothèse, c'était de voir si la diaspora libanaise en France, et même à Paris, parce que c'est vrai que vous êtes surtout à Paris, les Libanais en particulier, il y en a partout, mais Paris, c'est quand même très concentré. Oui. Si, voilà, si, d'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi Paris, d'ailleurs? Pourquoi Paris? Oui, pourquoi Paris? Parce que, non, parce que peut-être que le sud aussi, le sud, il y en a beaucoup, mais plus à Paris quand même, non? Il y a beaucoup sur Marseille. Oui. Sur Paris, il y a plus de travail. Il y a plus de possibilités de travail. Ils se sentent toujours proches du Liban, proches de l'aéroport. Qu'à Marseille, il y en a qui ne supportent pas le climat de Paris. Ils migrent à Marseille quand ils trouvent du travail. Il y a moins de travail à Marseille et moins payé. Les Libanais, ils cherchent en gros, hein, c'est toujours des exceptions, où on peut être mieux payé, même en Afrique, sur la Lune, planète Mars, il n'y a pas de problème. Je
Je pense que les enfants qui ont grandi là-bas, ils cherchent moins le gros salaire, ils cherchent le train de vie à la française un peu. Et oui, c'est ça, le train de vie à la française. Il y avait une. Attendez, je sais pas si je l'ai là. Ah oui, voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, j'avais trouvé un livre sur la diaspora libanaise parce que c'est très compliqué chez vous de faire des recensements. Au Liban, vous faites rarement des recensements de population. Oui, mais enfin, notre communauté maronite, les chrétiens tous, ils sont enregistrés et retirés quand il y a des décès ou des nouveau-nés. Chez les musulmans, ils s'en foutent. Et oui, parce qu'à la mosquée, ils font pas ça. Ils font pas les notes, non? Ils ne sortent pas. On sait quand il y a les listes électorales. Là, celui qui n'est pas enregistré, il ne peut pas voter. Ils ont commencé il y a après 2008, l'accord de Doha. En 2008, 2007, il y avait un nouveau accord après le Taif à Doha, au Qatar. Et après, ils se sont mis à enregistrer leurs enfants pour pouvoir voter. Non, je sais pas. On n'est pas plus que 4 millions comme Libanais. On a 3 ou 4 millions de réfugiés entre Palestiniens et Syriens. D'accord. Et attendez, ah voilà, c'est ça. Ce que je vous disais avant de vous demander pour Paris, je vous disais, on avait une hypothèse avec ma tutrice qui était que la diaspora libanaise en France, comment est-ce que je pourrais dire, représente le Liban et travaille à représenter le Liban dans le sens où elle exporte les accords de Taïef. Donc, c'est-à-dire qu'elle vit, les Libanais, la diaspora libanaise en France vit sans se séparer par communauté. Elle vit tous ensemble parce qu'elle a à cœur de représenter le Liban, qui le Liban existe, enfin qui s'est construit socialement au travers des accords de Taïf. Il y a un peu de ça, oui. Celles qui ne sont pas très, on va dire, extrémistes dans leur opinion politique, hein. Il n'y a pas d'extrémistes religieux. Oui, parce que l'accord de Taïf n'a pas été appliqué correctement. Ils ont sous-traité le Liban pour la Syrie Oui. en 90, qui a appliqué la partie qui l'intéresse de l'accord de Taïf. Et c'est ça qui a mené jusqu'à maintenant. On est en conflit politique, on n'arrive pas à faire un gouvernement avec Hariri, le fils. Au niveau de Monsieur Tout-le-Monde, on vit bien entre communautés. C'est au niveau de politique où il y a le problème. Le problème vient d'une partie de politiciens, surtout les musulmans. Il y a quelques Libanais avec quelques chrétiens maronites, bien sûr, qui donne on dit la couverture, comment ça s'appelle, l'influence que les chrétiens sont avec, qui part vers l'Est. Parce qu'ils ont intérêt financier, c'est pas parce qu'ils sont contre l'Occident. Mais au niveau de la base, c'est depuis 2 ans, ça a changé beaucoup. Avant, il y avait les chiites qui étaient partants à 100% vers l'Est, vers la Syrie et l'Iran. Là, après la révolution qui a commencé en 2019, ça a changé. Il y a, on va dire, 25-30% de leur population qui ne sont plus. Ils préfèrent aller vers l'Ouest. Ils ont vu la pauvreté, tout ce qui est interdit, le problème, enfin, le transfert d'argent, il n'y a plus d'investissement. Ils ont changé d'avis, mais c'est la partie qui n'était pas appliquée de Taif à l'époque de Syriens, qu'on n'a pas pu le faire appliquer après. Ça a été sous-traité par Hezbollah de la part des Syriens. Un instant pour que je ferme la fenêtre. Oui, Il doit y avoir quelqu'un qui fait des travaux. et du coup, je me demandais pour la représentation politique du Liban, parce que vous me disiez qu'il y avait une branche, vous êtes sur la diaspora, c'est ça la diaspora, mais il y a une branche qui s'occupe de la politique France-Liban. Est-ce que vous pensez qu'il y a une communauté libanaise qui est plus présente dans la politique française qu'une autre, par exemple?
Ou est-ce que vous voyez dans la politique entre la France et le Liban, les conflits d'intérêts, est-ce que vous voyez les chiites, le mouvement Hamal, par exemple, dont j'ai entendu parler, est-ce que vous les voyez aussi présents que les forces libanaises ou d'autres forces? Non, moi, beaucoup moins. Ils sont pas aussi présents. La France, depuis le président Chirac, l'ex-président, il y avait des liens d'amitié avec Rafik C'est ça, oui. El-Hariri. Et comme nous, on a, on va dire, en 90, avec la guerre civile entre nous, entre Maronites, on a détruit notre région. Après, on a été demandé pour livrer notre arme. On n'est plus une force politique principale. Samir Jaj a été en prison pour 11 ans. Michel Aoun, il était à l'exil. Donc, ils ont pris les sunnites. Ou c'était l'ère des sunnites dans le Moyen-Orient, avec la France. Donc, c'est les sunnites qui sont les favoris maintenant pour la France, depuis Chirac. Après, on a compris qu'il y avait des relations financières, politiques, quand même. Parce que, Soutenir l'un ici et l'autre là-bas. excusez-moi, Hariri, il est sunnite. Hariri, il est sunnite, oui. D'accord. Les chiites, non, beaucoup, enfin, à ma connaissance, beaucoup moins. Ils ne sont pas très nombreux en France comme les sunnites ou les maronites. Ils ont pris notre place comme communauté en Afrique. On était majoritaire en Afrique. Là, c'est les chiites qui sont les plus forts en Afrique. Comme Libanais à l'étranger. J'avais parlé, je pense, je te racontais la dernière fois, j'ai eu un entretien chez Bouygues, pour le traitement de l'eau potable. À la fin, il voulait me parler pour savoir comment on fait pour qu'on ait plus fort, le plus fort en Afrique et on n'a aucun Européen qui arrivait à nous dépasser. Je te parlais de ça? Non? Non. Après 1 heure et demie, il me demandait sur le projet que j'ai réalisé en Arabie Saoudite, au Liban, à la fin, il m'a dit, j'ai une question. Et c'est pour cela que je vous ai convoqué. C'est quoi? Comment vous font les Libanais pour être le premier en Afrique, pour les affaires, pour la politique, avec les révolutions et le régime à la fois? J'ai dit, c'est simple. Même les Juifs n'arrivent pas à nous suivre. Quand il y a un juif, qu'est-ce que tu vois dans le quartier? Il m'a dit, comment ça? Qu'est-ce que tu vois? Rien. Et quand il y a un Libanais, il m'a dit, oui, il y a toujours du monde, il y a toujours des fêtes, il y a toujours des soirées. C'est ça la différence, c'est tout. Quand il y a de l'argent, on n'hésite pas de l'utiliser pour avoir des relations. Et le business, les relations, et la politique des relations. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est aussi parce que, je me permets, hein, mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'aussi en France, les Libanais chrétiens maronites et les Libanais surtout, vous n'êtes pas considérés comme des Arabes? Parce que surtout les Maronites, on n'est pas des Arabes. C'est ça. Nous, on a dit pendant l'accord de Taif, c'était une condition pour que les sunnites n'aient plus être attachés à n'importe quel pays arabe. Prendre le Liban comme pays enfin, final pour eux, ils voulaient qu'on dise, nous, on est arabe. Le Liban est un pays arabe. On a dit, bon, on met ça, mais à l'intérieur, ça ne change pas. On n'a jamais été. Bien sûr, il y a des Arabes parmi nous quelque part, parce que c'est le lien terrestre, le transport, c'est facile. Mais on n'est pas. Même les musulmans en Syrie et les musulmans libanais, ils ne sont pas tous des Arabes, du peuple arabe. C'était islamisé à certaines vagues où ils sont restés. Mais eux, ils mélangent entre l'islam et l'arabe, et l'arabisme. Ils mélangent. Ils supposent que n'importe quel sunnite, c'est un arabe. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les Chichens en Russie ne sont pas des arabes, mais ils sont des musulmans. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Est-ce que vous connaissez le groupe Amitié France-Liban de l'Assemblée nationale? Non, j'ai entendu de ça, mais je ne sais pas si je connais quelqu'un. Non, je ne pense pas. Je Mais ne vous suis pas connaissez? dedans. Je ne connais D'accord. rien. D'accord, parce que j'aimerais bien savoir si, au niveau de la politique française, est-ce que
Est-ce que les forces libanaises sont aussi présentes qu'une autre force? Est-ce que vous pensez que les relations politiques, les forces libanaises, elles sont prioritaires, ou les chrétiens maronites en général, pas obligatoirement les forces libanaises, mais les chrétiens maronites, ils sont prioritaires, ou est-ce que aussi il y a d'autres forces politiques qui arrivent à rentrer dans le jeu en France, dans la politique française? Il y en a qui essayent. Je ne sais pas à quel niveau ils arrivent. Ça dépend de la politique des États-Unis, s'ils soutiennent l'un ou l'autre. Je n'ai pas beaucoup de notions. Attendez un peu. Salut Georges, Kifak, Nabil Mahak. Fia. Mince. Vous m'entendez? Ah non. Mes enfants sont interdits de causer des problèmes publics. S'ils font quelque chose, ils seront battus à la maison, punis à la maison. Comment ça? Oui, c'est interdit. On suit la loi. Même au Liban, il y en a rarement des petits-enfants. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est rare les petits-enfants dans nos régions qui vandalisent des voitures, par exemple. On n'a jamais entendu quelqu'un qui a cassé une vitrine dans un magasin. Vous payez toujours vos locations, on était encore en location, oui, bien sûr, oui, on sait, et les impôts, je dis, écoutez, là, c'est automatique. Et vous avez la nationalité, je dis, non, pas encore. Ah bon, pourquoi? Écoute, je présente tous les ans les papiers pour ma carte de travailleur. Bon, on va s'en occuper. C'était en mois de janvier, février, mi-février, 15-16 février. J'ai dit, OK, merci. Non, non, c'est pas un lapin, on va le faire. J'ai dit, OK, j'apprécie ça. Au mois de mai, on l'a eu. C'est vrai? Oui, 4 mois après, ils m'ont dit, pendant. On a été convoqué pour comment ça s'appelle? Pour avoir les documents. Et en retournant, on est passé pour remercier la dame, c'est elle qui nous a parlé. Elle m'a dit, c'est pas normal qu'on donne aux petits voyous et gens qui payent tout, qui sont bien, on donne pas. Donc, c'est voilà. Et je voulais vous demander une dernière chose. Est-ce que c'est typique des Libanais? Parce que vous travaillez en France, j'ai dit vous les Libanais, hein, vous travaillez en France, mais vous voyagez tout le temps. On dirait que vous avez des liens dans tous les pays du monde et vous savez faire de l'argent dans tous les pays du monde, ça aussi. En déplacement, oui. Enfin, c'était mon job description, mon profil. Donc, il fallait. J'étais l'IT manager pour Europe, Middle East and Africa. Enfin, l'Europe, Moyen-Orient et l'Afrique, enfin, le Nord-Afrique, pour les clients français. Quand il y a des choses à gérer dans l'informatique, je me déplaçais en Allemagne, Luxembourg, Roumanie. Ça, oui, Hongrie une fois. 2 fois. Et après, en 98, je fais installer un serveur NetMeeting. À cette époque, il n'y avait pas encore Skype et autres pour faire la vidéoconférence. Mais on passait, parlait par téléphone et on passait le slide sur le PowerPoint sur l'écran pour réduire le coût de déplacement. Donc, je veux dire, il n'y avait pas frais de déplacement. Que les Français, enfin une partie, il y en a qui devraient le faire par leur poste, ils ne peuvent pas dire non. Mais mes homologues, ils ne voulaient pas. Au niveau de manager, il y en a moi et un autre qui était belge, qui ont de se déplacer sans problème.
Les autres, ils voulaient une indemnité de déplacement. Il n'y avait pas parce que c'était le contrat France et l'Europe. Ou il y avait besoin pour les clients français. Puisqu'ils payent tout, la boîte payait tout, donc il n'y a pas besoin de dire non. Donc, pour moi, c'était du travail, bien sûr. Il fallait après, on partait 24 heures. On partait la veille et rentrait le lendemain soir. Donc, ce n'était pas absence. Mais on faisait ça 2 fois par semaine, ce n'est pas une fois. Voilà. Et j'ai vu quelque chose que comme quoi, je crois que c'est dans les années 90, peut-être un tout petit peu avant la fin de la guerre civile, la France, elle a mis en place des facilitations pour que les Libanais puissent venir en France. Vous en avez entendu parler? En 2006. C'est possible, peut-être. Je ne me suis pas assez renseignée, mais je sais qu'il y a eu Oui. un projet que pour les Libanais, pour avoir les papiers plus facilement. Non, allons pas ça. Si, ça, il y avait des facilités en 89 C'est ça, voilà. pour la France et pour le Canada, Québec, la partie francophone. Les États-Unis, enfin les autres, ils n'ont pas donné, mais ils ont donné comme on est francophone et bon, c'est pour. Ils voulaient partir, donc. Et en 2006, ça a été rapatriement pour les Français, les Libano-Français qui étaient là. Rapatriement, vous voulez dire au Liban? Du Liban vers la France, qui ont le passeport français. En 2006. Pendant la guerre entre Hezbollah et Israël, en juillet 2006. D'accord, ok. Il y a beaucoup de Libanais qui en ont profité. Vous savez pas, vous pensez Trois peut-être que... grands avions qui étaient là, qui sont arrivés début juillet. Il y avait d'autres qui décalaient, ils venaient août, mais c'était déjà la guerre, ils ne venaient pas. Vous m'avez demandé, ils ont mis un système pour rapatrier les Libanais ou donner des visas? Moi, je pensais pour donner des visas. Oui, donner des visas en 89, c'était oui. C'est en 89 les visas. 89, oui. D'accord, maintenant c'est fini. Là, de nouveau, ils font. Ben, ça se passe avec notre cardinal, le patriarche Rahe. C'est lui qui a demandé, après 2005, d'arrêter à tous les ambassadeurs, les ambassades au Liban, arrêter de donner aux chrétiens, parce que ça faillait vider le Liban de la jeunesse. Et là, ils ont donné un bon paquet à un moment. Après, ils ont arrêté. Ils font un quota, par exemple, 1000 personnes ou 500, je ne sais pas combien. Et après, c'est fini. À part s'il y a des cas typiques. Nous, on a eu en fin 88, début 89, notre visa pour envoyer ma fille et ma femme en France. C'était le début de la guerre de libération que le général Aoun avait déclenché 89. Oui, je me rappelle, vous m'en avez parlé. Oui, il y a des moments, la France et le Canada avant prenait tout, surtout plus des musulmans, sunnites et chiites. Mais quand ils ont commencé à avoir là-bas des opérations terroristes, ils ont arrêté. Là, ils vérifient de l'autre côté, mais de notre côté. On n'aime pas mourir, rien. On aime prolonger notre vie sur Terre parce que pour nous, le paradis et les sirènes sont ici, pas là-bas. C'est très vrai, c'est très vrai. Il n'y a pas beaucoup de druzes en France, non? Pas beaucoup. Dans leur communauté, ils voyagent pour revenir. Ils travaillent à l'étranger pour revenir chez eux. Les druzes, c'est un peu comme les juifs. Tu es druze si ta mère est druze, c'est pas le père. Ah Ils oui. se marient très peu en dehors de leur communauté, ce qui fait leur nombre est en train de rétrécir. Ils font inférieur à 250 000 maintenant. Donc pour cela, ils reviennent chez eux, ils ramènent l'argent chez eux, ils font construire. Ils vivent pas comme nous. On est en Europe, on est en Europe. On s'en fout, mes enfants, ils ne reviendront pas ici pour vivre là. Je ne sais pas s'ils vont revenir en vacances même avec les situations qu'on a maintenant. Moi aussi, je ne suis pas revenu tous les ans. Il y en a d'autres qui revenaient souvent. Pourtant, ils avaient des revenus inférieurs à moi. Ce n'est pas l'argent qui fait la différence. Mais il y en a qui aiment toujours revenir. D'autres, il y en a qui s'intègrent bien dans la société et d'autres.
moins bien, on va dire. Faut pas dire qu'ils ne s'intègrent pas, mais moins bien. Ils ont toujours la nostalgie des grands-parents, le village, l'escalier devant la maison. Mais vous, du coup, vous êtes revenu au Liban maintenant, vous n'êtes plus en France. Je suis toujours français, mais j'ai pris une maison là-bas. On a vendu la maison en 2013, oui. Je revenais tous les ans, une fois ou deux, mais là, avec le corona, j'ai voulu partir en février, mais la France était fermée ici aussi, donc j'ai décalé. Mais de toute façon, vous, au Liban, tout est ouvert, non? Quoi? Vous, au Liban, tout est ouvert. Tout est, je veux dire, les Les restaurants, les bars, restaurants, tout est les ouvert. bars. Oui, là maintenant jusqu'à 9 h, mais après Ramadan, je pense que ça va revenir à la normale. Oui. Oui, on était mercredi avec un ami dans les montagnes, dans un resto la semaine dernière. Si. Tout est ouvert, oui. Mais D'accord. là, ils ferment quand il y a des fêtes pour éviter que les gens fassent la fête clandestinement en quantité. Ce qu'on a eu pour Noël et Nouvel An, c'était catastrophique. On a la contamination qui est montée à 5 000 par jour et un taux de mortalité dépassait le 100 morts. Pour le nombre de personnes, ça fait très élevé, beaucoup plus élevé que la France, en était, en pourcentage. D'accord. Et j'ai une D'accord. dernière question qui m'intéresse. Je voulais vous demander, quand vous avez, avant vous étiez en France, vous avez rencontré d'autres Libanais, vous disiez, est-ce que vous vous dites, vos communautés, par exemple, est-ce que vous, quand vous rencontrez des Libanais, vous le savez directement qu'ils sont par exemple sunnites, chiites ou qu'ils sont chrétiens maronites comme vous, ou est-ce que vous dites, je suis franco-libanais, chrétien maronite? Non. Non, Non. mais on connaît les traits du visage. C'est vrai? Vous n'avez jamais essayé de regarder, détecter. Si vous avez bien sûr des collègues à l'université de différentes nationalités, si vous commencez à regarder bien chaque nationalité, les traits du visage et la coupe des cheveux, vous allez voir une différence. On dit à 80-90%, il y en a qui sont comme nous. Moi, mon frère, mes parents me disaient quand je suis venu en 2000 et 2001, je suis venu 2 fois, la 2001 avec la fille parce qu'elle venait de sortir des hôpitaux après une opération cardiaque, tu ne ressembles plus. Je ne ressemble plus à un Libanais. Pourtant, je dis, bah, écoutez, bah, c'est toi qui m'as accouché. Là, je peux pas... Donc, ma fille faisait la coiffure au lycée à Saint-Germain-en-Laye. Avec son prof, on discutait. Il expliquait qu'il y a des coupes françaises, des coupes algériennes, coupes italiennes, coupes orientales. J'ai dit, voilà comment on sait ça. Après, une autre fois, on a vu un documentaire, je pense sur M6, il parlait les muscles du visage pour chaque langue parlant. Donc 25 ans parler français, bien sûr, ça fait développer et réduire les différents muscles. Que ça fait, je ressemble plutôt à un Européen. J'étais dans un mariage en décembre 99 sur Paris, algérien. En discutant comme ça, les gens, je parlais avec un cheikh qui a fait la guerre à Afghanistan. Et je parlais parce qu'il a dit, on était au Liban, Afghanistan, le Yémen et en Algérie. Et quand je me suis présenté comme Libanais, il m'a dit non, 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 ne joue pas dans mon tête. Vous n'êtes pas un Libanais, vous n'êtes pas un Oriental, vous ressemblez jamais. Je dis bon, mon père est Libanais, ma mère est une Russe, on vit en France. Il m'a dit voilà, tu ressembles aux Italiens, pas aux Libanais. Bon. Lui, il est Algérien, il ne connaît pas, mais il y a des traits pour chaque pays, surtout les gens qui n'ont pas migré vivre ailleurs à l'étranger. Tu vois, il y a le visage qui prend certaines formes. Je pense qu'il y a une partie de ça. Là, la personne que je vais t'envoyer son numéro, il a vécu une vingtaine d'années là-bas. Après, il est parti quelques années à Erbil, la partie kurde. Il a travaillé dans le télécom et là, il est revenu en France. Il est informaticien aussi. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, dans l'informatique, dans la communication. À part sa couleur qui est un peu plus foncée que moi, tu dis pas c'est très oriental, par exemple.
Parce qu'il a vécu là-bas, il parlait français toujours. Donc il fait européen. On va dire européen du sud, parce que la couleur brune, Méditerranéen, méditerranéen. méditerranéen, mais européen, pas nord-africain. D'accord. Oui. Il s'appelle Georges. Oui. D'accord. Ben, c'est super. Et vous avez vu, je vous ai envoyé la retranscription de notre dernier entretien. Oui, je travaille dessus pour voir où on a raté quelque chose, où il faut ajouter, où il faut corriger, ah, pas corriger, améliorer les mots qu'on a utilisés. Oui. Mais d'accord, pas de souci, avec plaisir. Si vous voulez, après vous me le renverrez si vous voulez, c'est avec plaisir. Oui, bien sûr, oui. L'objectif, c'est de renvoyer à vous pour si vous en avez besoin de travailler. L'autre Ah. sujet, vous l'avez arrêté? Alors, ce sujet-là, j'ai arrêté, mais bon, je vais quand même me servir de l'entretien parce que c'est très très riche en histoire et ça va me servir. J'ai déjà commencé. Après, je vais pas peut-être pas tout utiliser. En tout cas, moi, je suis obligée de le mettre en entier dans mon mémoire. En annexe. Il faudra que je le mette en annexe. Comme quoi. Voilà, en entier. Mais après, dans mon étude et dans mon analyse, je vais utiliser certaines parties. Pas tout, mais je vais utiliser certaines parties. Mais après, quand j'imprimerai mon mémoire, il sera en annexe, en entier. Donc si vous voulez qu'on mette la version modifiée, c'est avec plaisir. Oui, vous allez mettre la vidéo ou seulement le texte? Non, seulement le texte. Si vous voulez mettre la vidéo, on le refera parce que je le vis plusieurs fois. Il y a des endroits où je ne trouvais pas vraiment le mot à dire, donc ça fait Non, 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 ridicule. non, non, ne vous inquiétez pas, c'est que l'écrit, que l'écrit. D'accord. Voilà, que l'écrit. Mais voilà, si vous voulez me le renvoyer, c'est avec plaisir. Et là, pareil, vous allez recevoir dans le chat Skype, là, dans les messages, vous allez recevoir les vidéos. Là, dans le chat Skype, vous allez recevoir l'enregistrement aussi. La vidéo, oui, d'accord. Là, on va avoir deux vidéos. Deux vidéos, voilà. Ouais. Voilà, oui. Là, on va avoir deux vidéos. Et puis pareil, je ferai une retranscription. Et je vous l'envoie. Je vais vous l'envoyer la semaine prochaine. Et comme ça, si vous voulez modifier aussi, c'est avec plaisir. D'accord. Ok. C'est très bien, oui. OK. Bon ben c'est super. C'est super. Si vous m'envoyez le numéro dans le chat, dans la conversation. Dans le chat, oui, dans le chat, oui. OK. Bon ben c'est super. Ben, merci beaucoup d'avoir pris du temps. C'était très intéressant. Merci à vous aussi de travailler sur les Libanais. Ben ça m'intéresse beaucoup, je suis très contente. Et D'accord. j'espère pouvoir venir au Liban après tout ça. J'ai très très envie de venir. J'ai envie de venir au Liban. D'accord, oui. Là, ce vidéo, je pense que je vais le mettre sur mon channel privé. Je vous envoie le lien privé. Avec plaisir. Pas privé. Personnel, pas privé, personnel. Oui. Où il y a la vidéo de la famille antérieure et tout ça. D'accord, ok, c'est bon. OK. Ben, merci beaucoup, Monsieur Ical, merci beaucoup. Merci à vous et bonne Vous aussi, bonne soirée. soirée. Au Voilà. revoir.